Pourquoi j'enseigne les pierres chaudes? J'enseigne les pierres chaudes déjà depuis plus de 10 ans et c'est un élément naturel qui simplifie la vie, qui permet de décupler mon massage, que ça soit chaud ou que ça soit froid, c'est une manière de permettre à la personne d'être encore plus dans son élément naturel. Et ça permet de faire des choses parfois profondes avec délicatesse, douceur, sans faire mal. Les pierres peuvent être utiles à énormément de choses. C'est un monde merveilleux. Ça, c'est un exemple de préparation de pierres. On ne se rend pas compte, mais dans ce croque-pot, il y a 57 pierres qu'on voit ici. Il est important de savoir les ordonner, les choisir pour les utiliser ou en pierre de placement ou en pierre de massage. Dans le cours niveau 1, on va travailler avec ces pierres de basalte et ces pierres marines qui sont un peu plus vertes. Au niveau 2, on va avoir une notion de savoir différencier. Différencier au niveau de la température. Quand est-ce qu'on utilise les pierres de basalte? Quand est-ce qu'on utilise les pierres marines? Mais on peut aussi utiliser des quartz ou des pierres semi-précieuses. On va aller jusqu'à utiliser du marbre pour du froid. Ça, il faut savoir bien l'utiliser. Et on va comprendre comment utiliser les outils des basaltes mécanisés.